Salut les gens, c'est Sam, on se retrouve sur Project Zomboid avec Damned, le mort-vivant, avec Katox et Lucine, toujours vivant. Comment ça va tout le monde? Ça Ouais, ça va. Moi, je suis vivant. On est tous vivants. Presque. Pour l'instant, on est tous vivants. Pour l'instant. Voilà. La machine à café, vous voulez pas essayer de l'emmener? Si, attends, je te la prends. Et ça, c'est pas un... Et la friteuse, ça pourrait être vachement sympa d'emporter une Mais friteuse. ça, il faut l'électricité 2 pour la démonter. Bah voyons. Et le four en deux parties, vous pouvez essayer sur le deuxième. Le four, il faut un four comme ça, il faut de le démonter en entier pour pouvoir le transporter. Putain, il y a du fric. Je prends le fric. Ouais, j'ai vu, il y avait 5 monnaies. Putain, il y a du Cinq de la brouilleur moula. maintenant. Il fait nuit, il y a du brouilleur, mais quel enfer. Bon, bah on Oh, va au resto suivant. maintenant en vérité. Oula. Oula. Ça, c'est des bureaux là en face des voitures? Ah, mais non, mais arrête! Non, mais je t'ai pas. Non! Qu'est-ce qui se passe Ça fait. Non, ça va. Tout va bien. Tout va Quelqu'un peut me bien. couvrir que j'essaye d'ouvrir la portière de la voiture, s'il vous plaît. Je vais très bien partout, moi. J'ai jamais de Non, tout le monde problème. se casse très bien. Mais attends, Quelqu'un pardon, peut. mais moi Laquelle? je. Hein, voilà. De quoi? C'était quoi ton problème? Non, non, rien, rien. Oh, une morsure de plus ou de moins. Ah, attends, je vais essayer de démonter une des portières pour voir si je peux si on peut ouvrir la voiture. Katox. Et Quelle voiture? Toi qui es à côté de moi là? pour en faire quoi? Parce qu'on va pas rouler avec une portière ouverte. Hein. Ah, mais c'est pour fouiller. Prendre vu le nombre de zombies qu'il y a dans un bureau qui ne demande qu'à Non, mais sortir, je y a comprendrais plein de qu'on y trucs à aille assez fouiller vite. autres que des bagnoles. Hein. Je suis d'accord. C'est Bon, moi vrai, je. d'accord, c'est bon. Donc ici vous êtes pas chaud, il y a trop de monde dans ce bureau. Ouais, mais ça Mais où commence à. ça? Je sais même pas où Surtout, tu il y es. a rien dans les bureaux. Il y a rien dans les bureaux. Vous avez trouvé des Katox, stylos et des rentre. trombones. Ça arrive, fais gaffe, il y en a deux qui arrivent. Et les autres ont cassé la boîte. Accélère! Allez, on y va. Bon bah, on se barre du coup. Ouais, Bah ouais. oui, on Non, continue à non. descendre. Par contre, on sait absolument pas voir ce qui se passe, quoi. Ah non, bah on sait même pas ce qu'il y a sur le chemin. Hein. Quelqu'un C'est a une pas corbeille grave, de brume? on s'arrête à chaque bâtiment. Il y a une bibliothèque aussi, normalement, plus bas. Je suis mouillé, triste, inquiet, légère soif et désagréablement chaud. Ah oui, je vais enlever ma protection pendant quelques minutes. On Il y a a le ce que tu peux faire, Greens. c'est C'est quoi mettre la Greens? clim sinon. C'est un magasin d'alimentation, mais végétal, donc ça a dû pourrir depuis le temps. Oh là là, Voilà. c'est vrai que c'est l'enfer la vision. Hein. Oh Par là là, contre, il y a ouais, trop de non. monde! Ouais, non. Ouais, on va devoir Non. descendre un bon moment pour Oh semer cette ouais. petite horde. Greens? Non, ça c'est de la bouffe. Ouais, vous allez voir plus bas, il y a du monde. Hein. Ah oui, il y a une Hop là. petite horde, ouais, je passe sur le côté. Mais plus que sur le côté, là. Doucement. Pas ce qu'il y a. Ah, un diner Un ici, diner. mais. Ouais, bah c'est là qu'on va s'arrêter. Ouais, Bon ouais. bah. On sait Ah, bien, j'ai parce vu qu'on dans sait les pas croisés. du Hein. tout combien il y en a. Franchement, à vue de nez, moi je dirais une bonne vingtaine de. Oh, une. Ouais, une Donc ça trentaine de va, zombies. tranquille. Tout ce qu'il faut, c'est Ouais. qu'on s'arrête du côté forêt. On se gare côté forêt. Plus ceux qui sont sur la route, quoi. Les deux C'est bon, bagnoles on n'est côte pas à loin. On n'est côte. pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Fais Ouais, gaffe. mais je peux pas sortir là. Oh, t'es De toute façon, désagréable. mort pour Non, c'est mort. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant qu'il s'est éloigné un Bientôt, peu. Katox, casse-toi, 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 casse-toi. Je remets la clé. Oh là là, oh putain! Ah ouais, non, mais vous êtes fous. Fais gaffe, t'as pas tes protections 119. Allez, je mets quelques coups de pelle, hein. Oh, Il dira plus que j'ai pas participé. la violence! Ah, il y en a un derrière, je m'en occupe, j'essaye de m'en occuper. Tiens, prends ça. Je suis Le problème pacifique, c'est monsieur. que Ne me forcez pas à vous tuer. mon perso souffre, Océan. donc Il t'écoute pas. mon perso souffre à faim et il est inquiet. Donc Mange! forcément, Mange! ouais, j'ai rien à bouffer. J'ai rien à bouffer. Bah on va dans le dinner club justement, ça tombe bien. Ça tombe bien. Non, moi il a je un pieu, veux. le monsieur là. T'es prêt? C'est drôle. Je le Ça me prends. servira quand je croise un zombie. Ou un vampire. Ou un Y a vampire zombie. pas un zombie qui aurait un paquet de chips sur lui, quoi. Ah les salauds, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien manger? On se le demande. C'est efficace ton pieu, Katox? C'est vrai, je suis à la pelle. Je Non, pense que c'est moi qui ai une pelle. ça s'entend un contre un, mais pas plus, quoi. C'est fermé. Malheur.
On peut pas rentrer tout de suite, y a une horde d'abord à dégommer. Bah, c'est pour ça, oui, il faut, parce que sinon ça va se retourner contre nous. Putain, derrière! Derrière toi! J'arrive. J'ai une pelle. J'hésiterai pas à m'en servir. Heureusement qu'il n'y a pas en plus le PVP qu'on peut pas se toucher entre nous parce que le friendly fire ça serait. Le friendly fire ça serait l'enfer. Bon, l'avantage c'est que je vous ferai, je pense, pas beaucoup de dégâts moi. Bien, oh, moi, un friendly fire. Suffisamment pour achever Damned. Oui, ça c'est clair. Hein. Bon, bah tout est fermé, je sais pas ouvrir pour l'instant. C'est à Katox d'ouvrir. Voilà. Non, mais pas comme ça. À Katox. Ouais, j'ai de la force, je veux gérer, vous inquiétez pas. C'est ouvert. Voilà. Parfait, cette voiture est ouverte. Y a pas la clé par contre, y a des pansements, bah on prend. Je sais pas où était le problème. La porte est ouverte. Je file au frigo. Y a rien à manger, putain. Préparation pour sauce. Bon, est-ce que je peux récupérer de ça du coup? Alors, viande hachée pourrie. Ouais, four industriel, il faut 25. C'est des pommes de terre, électricité pour le défaire. Ah, il y a du café. Je savais qu'il fallait prendre le. Qu'il fallait prendre la machine à café dans l'autre. On l'a pris. On l'a pris. Hein. Ah, vous l'avez pris. Excellent. On peut jouer avec le flipper là. Ça serait cool pour enlever l'ennui. Moule à muffins. Eh, il y a un moule à muffins. Je te conseille fortement de le prendre. Ouais, si on peut avoir des muffins. Enfin, moi je serais mort, mais. Il y a du bacon et du steak haché là. Ouais, mais je veux pas le manger comme ça. Ah, ce qui manque, c'est un petit camion réfrigéré là pour transporter les trucs frais. Y a pas un petit truc pour une poêle ou un truc du genre, je vous fais vite fait à bouffer là. Des bols. Non, Katox, tu vas pas remplir notre frigo avec ça. Notre frigo, notre coffre. Ah bah il va te remplir ton coffre de trucs très utiles. Il a pris le flipper. Super utile. Il y avait une préparation pour bon, aller où la au final on a réussi à récupérer combien de fours là? Zéro. Super. Bon, on va chercher un resto. Bah après je commence à avoir des trucs frais sur moi, donc il va falloir qu'on... Non, c'est pas déposé à un moment. Les fours. On se casse, on a pas besoin de 25 fours quoi. Ah, parce que là, on en a zéro. Ouais, quelques zombies qui arrivent. L'idée ça serait que tu puisses cuisiner plusieurs trucs en même temps, parce que si t'es obligé d'attendre devant le micro-ondes pour surveiller un truc. On avait au moins quelques fours dans le tas. On a un micro-ondes quoi. On en avait déjà un. C'est bon, Lucie. Je crois qu'on a perdu Lucie. Attends, il y avait Katox qui galérait avec des zombies, j'arrive. Genre. Ah, je suis là, Katox. J'avais entendu la bagnole, donc je pensais que... Et on fait quoi? On continue plus bas ou... Ah ouais, on continue, ouais. Bah au pire, il y a une station d'essence plus bas, donc déjà, ça sera l'occasion de faire le plein. Je pense que pour ramener un four, le meilleur serait de trouver une maison. Parce que là, les fours industriels, si on n'a pas 5 en électricité, on ne sait pas les enlever. Alors ouais, les maisons. Voilà. On descend et première à gauche. Ah, donc tu es sûr comme celle qu'on vient de passer quoi. Celle qu'on vient de passer, ok, très bien. Attention, je remonte. Attention, je remonte. Je crois que j'ai plus de feu donc de toute façon. Et je tourne maintenant. C'est bon. Je suis même pas encore arrivé au croisement. C'est quoi maintenant? Ça y est, c'est maintenant. Je vais être ici, je pense. Bah, ça, c'est la pompe à essence, quoi. Attends, mais. Ah oui. Ça peut être utile de faire le plein. Ah, j'ai vu une voiture là. La bagnole est ouverte. Magazine, ficelle, cigarette, un revolver. Bon, ok. Mouchoir. Ah, ça y est, les feux se sont allumés. Y'a rien dans le coffre? D'accord, très bien. Dans le coffre, y'a rien. Y'a pas de clé. L'idée, c'est qu'on. Ramène-toi pour faire le plein de la bagnole là. Attention, m'écrasez pas, non. Bâtiment vert, c'est la pompe à essence. Par contre, y'a plein de zombies dedans. Et dedans, tu vas trouver un peu de matos pour ton bricolage. Elle a un flingue, elle, ça serait pas mal de la tuer. Je sais plus comment on fait pour faire le plein. Tu le gardes juste à côté et puis tu cliques sur ton véhicule faire le plein. Ouais. Mais vraiment, par contre, faites pas le plein tant qu'on n'a pas des. Oh ouais! Ils ont plein de. Les policiers sont dedans, ils ont tous des flingues ou des lances ou des trucs comme ça là. Il y a souvent une autre porte. Ah, ouais. De mémoire, elle est là la porte, mais elle va être fermée. Ah, oh putain! Elle
Enfin, c'est boucan cette bagnole, putain, elle m'inquiète à chaque fois. Ouais, mais le silencieux est mort. Que ça attire des zombies. Hein. Y a des zombies qui s'approchent, hein. Je préviens. Ouais. J'entends des bruits, je vois rien, mais j'entends des bruits. Katox, il a perdu son arme. Derrière le camion, ça arrive, derrière le camion, ça arrive. De l'autre côté aussi. Y'a un sac là par terre, c'est ça? Je vais me faire mordre. Ah, je m'en vais. Ouais, non, faut se replier là, on peut pas se battre là. C'est trop étroit. On arrive, on vient vous aider. Ah, putain, mais j'arrive même pas à repousser quelqu'un avec une pelle quoi. Il est où ton camion? Déprime du mec. Derrière toi, Damned, ça s'approche. Hein? Bon, faut qu'on trouve. Tu fais quoi? On casse une vitre puis on les laisse passer? Bah non, la porte arrière est ouverte. Elle est ouverte arrière? Ok, ouais, on y va. Personne me couvre pendant que je fais les pleins, c'est pas gentil. Ah pardon, je reviens. je t'ai même pas vu, t'es dans le brouillard, alors là... Pff. Et merde! Et un sac à dos, c'est bien. Pousse-toi, faut les tuer avant que je puisse me soigner. Faut y aller là. Bon, le plein est fait. Par contre, j'ai gardé la clé, je vais la poser, la remettre sur le contact. Ah, je suis infecté au niveau du cou, fais chier, putain. Lan, je suis infecté au cou. Ça a l'air de bien te concerner. Mais encore. Je croyais que je pouvais compter sur toi. Mais tu peux compter sur moi. D'accord. T'as du tissu sur toi? Toujours. Vas-y, jette-le. Tiens. Ah, les cigarettes, c'est considéré comme déchet, tiens, c'est marrant. Alors fais gaffe, parce que dès que t'enlèves la blessure au cou, le bandage au cou, j'ai mal. Ma vie descend. Mais il est pas sale ton truc. Pourquoi tu voudrais l'enlever? Je viens de le changer, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais infecté. Mais tu vas rester infecté, hein, de toute façon. Mais non, t'as ce qu'il faut, non? Mais non, mais c'est une infection désinfectée. Ça a déjà été désinfecté. Non, ça enlèvera pas, ça enlève. C'était le bras droit et je suis plus infecté du bras droit. Bah tant mieux. Voilà, ça enlève. Inspecter les cartes parce qu'il y a des cartes à noter et tout, et ça vous update toute la minimap. Donc je les remets dans le poste. Alors on va toutes les mettre ensemble quelque part. Faut juste les ouvrir en fait. Faut juste faire lire la carte. Et en fait, comme ça, tu regardes, après tu reprends ta minimap et ta minimap est directement mise à jour. Ok, donc c'est regarder la carte, j'imagine. T'as juste une carte. T'as juste une carte à noter ou là t'as un. Est-ce que vous êtes vraiment en train de faire le plein d'essence là? Bah j'ai fait le plein d'essence du camion, mais l'autre, la voiture, non, pas encore. Ça Parce marche. Que tout le monde était là, je restais pas au milieu à faire mon plein comme un con. T'as bien raison. Ah mais ça les détruit? Mais non. Non. Ok, c'est bon. Je les remets dans le truc pour ceux qui veulent les lire. Bon, je crois que mon personnage commence à perdre vraiment beaucoup de vie. Sauf que je me suis trompé, je les ai mis là. Dans le truc de façade, là. Regardez la carte. Cool. Armée là. Hop. Bon, après, Marsh Ridge, il y en a 3. J'imagine que c'est toutes les mêmes, mais bon. Oui. Si elles sont pas annotées, c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. Les prend tous en même temps, donc je ne peux pas les regarder. Je vais attendre un peu. J'ai pris le. Je crois que c'est Rosewood que j'ai pas encore vu. Augmenter sa compétence. Hein. Ah ouais. Rosewood. J'ai faim! Y'a rien ici, hein. De la monnaie. Je m'attendais un petit. Ah, je vais la prendre. Tu peux boire des sodas, ça nourrit un peu. Ah, de la javel. Tu parles, c'est l'inverse. J'avais pas soif, j'ai bu un soda, maintenant j'ai faim. Ah bah, c'est moins 12 de faim, soda. Moins 85 de soif et moins 10 de dépression. Soda à l'orange. Ah oui, tiens, je vais en boire. J'ai dû boire une canette de quelque chose. Ouais, je suis trop content, je viens de gagner mon deuxième point en travaux des métaux, mais bon, je vais crever, c'est dommage. Et moi, tu peux pas faire quelque chose pour moi, Slan, non plus? Pour te soigner? Que je perds toujours de la vie. Faire confiance à Slan pour se soigner.
Mais t'as toujours ton room. En même temps, c'est toi qui est doc hein, dans l'aventure d'Amned. Hein, non, mais le room, ça se gagne pas. Plus maintenant, ouais. Mais le room, il se gagne pas comme ça. Allez, on va voir les voitures, vous faites le plein. C'est fait, le plein. Et t'es au courant, tu m'as fait buter tous les policiers, tu les as même pas fouillés, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai en train de me dire, ils sont plein de trucs, les policiers, là. Moi, je veux bien faire le plein, mais quelqu'un vient me couvrir, s'il vous plaît. Il y a plein de bottes militaires, hein, ceux qui veulent... Ouais, il faut ramener tout ça. Parce que après, je les remettrai en état, je les laverai. Faudrait qu'on trouve un sèche-linge aussi, ça serait tellement utile. Tout ce qui est trucs de police et autres. Ah, sac à dos, tiens, c'est bien ça. Bottes militaires. Porté sur le dos. Ah, ça fait vraiment les. Ah oh, putain, y a un sweat à capuche, c'est exactement ce qu'il me fallait pour aller dehors faire de la recherche. Alors, hop. Mettre quelque chose dans ce coffre. Encore un fusil à pompe. Hop. Y a pas vraiment les trucs que tu m'as dit. Tu les as tout récupérés, j'imagine. Oui, c'est ça, je suis déjà passé par là. Bon, c'est bon, le plein est fait dans les deux voitures normalement. C'est quoi ça, client? Il est trop mignon mon sac à dos. Il n'y a plus de brouillard. Ah, ça va, je suis pas du tout terrorisant comme personnage. C'est vrai, c'est sympa ce petit chapeau là. Attends, je vais enlever le chapeau, tu vas voir. Je vois que t'as un espèce de masque à gaz en dessous, non? Coucou. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu vois pas aussi, c'est le double revolver que j'ai au holster double à la ceinture. Coup de fin, faut s'équiper. Mais regarde, t'as pas un sac à dos mignon comme moi. On continue? Ah ouais, trop bien le petit sac à dos. Écoute, je t'attends dans la voiture, Stan. Ça marche. Je suis en train de remplir mon sac. Normalement, je devrais pouvoir conduire un peu avant de mourir. Mon personnage était terrifié, j'ai lu 8 magazines et ça va mieux. Tant mieux. Oh mon dieu, on va tous mourir. Allez, hop. Moi je me demande si je peux pas guérir parce que je peux pas dormir en fait, un truc du style. Mais quoi. Non, ça n'a rien à voir, t'as un rhume, c'est tout. T'attends que ça passe. Ouais, mais non, mais... Ouais, mais enfin, ça fait quand même quelques épisodes quoi. Et je perds oui, de la mais vie, tu prends jamais les médocs que je t'ai trouvé. Je t'ai dit de prendre. Tu m'as rien trouvé du tout. Mais si, il y a une plante que je t'ai mis dans le frigo spécial ouais, qui guérit. Ah bah il faut en prendre. Faut que t'en prennes régulièrement. Ouais bah écoute, faut qu'on rentre à la base. J'en reprendrai. Mais non. Quoi, moi, j'ai non non, rentre pas à la base. On va chercher une maison pour avoir des fours. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais peut-être pas dû reprendre la grosse route alors. Bon bah on reprend. Je débarque plein de trucs sur le siège arrière. On va s'enfoncer un petit peu. Attendez, venez. On va là. Je suis en trop. On cherche des maisons. Bah justement, il y avait une route qui repartait plus dans le centre, dans l'hypercentre. Enfin, dans le... Bref, mais compris. Non. Attention, non. Voiture au milieu de la route. Sauf si vous voulez les fouiller. Non. Elle a l'air propre celle-là, la noire, là, sur le parking, mais je suis sûr qu'on n'a pas la clé. Non. Avance. Ok, c'est bon, ça va, c'est bon. Et on va bah, tu poses des questions, moi j'y réponds. Hein. Oui, bah oui. Et là, qu'est-ce que moi c'est par là? Moi je dépose tout sur le siège arrière. C'est quoi ça? The Rusty Rifle. Ah, intéressant ça non? En plus y'a pas l'air d'avoir de zombies. Ouais, c'est un bar. C'est-à-dire qu'il y a ah bah voilà, allez hop, go. Eh, vous buvez pas l'alcool hein? Non. Ouais, on te le laisse? C'est pour désinfecter. Ouais, c'est ça ouais. On se désinfecte pas la bière donc y'a pas de problème. On peut désinfecter la gorge. Allez, une bière, tiens, hop, des chips. Je confirme, un verre de whisky ça soigne pas du Covid. T'as essayé? Ouais. Du vin blanc, des canettes de bière. Eh, hey, est-ce que je prends bien? C'est un peu pauvre hein, tout ça. Une balle de baseball quand même. Attention, j'ouvre. Canette de bière. Y'a des fléchettes. Je vais en boire une hein, quand même, faut pas déconner. Oh, attends. Y'en a plein. Hein. Y'a un frigo. Y'a un tire-bouchon, des cacahuètes, des chips. Ouais, bah prends tout, vas-y, allez. Bah non, c'est pas la peine, je vais les manger. Ah, enfin, un briquet. Ah, mais non! Ah, c'est terrible, ils ont tout pris. Ah, il y a le javel, là.
C'est pas la peine, on aurait tout consommé sur place. Non, perso, je vais aller les mettre sur les banquettes. Enfin, je sais pas si. Non, on a que deux places dans celle-là. Non, non, on a place à l'arrière. Et bah voilà, l'arrière. Ah ouais, mais y'a déjà plein de trucs. Ouais, je te dis que. Ah, y'a du fond de teint, ah, c'est intéressant ça. Ah bah du coup, c'est plein à l'arrière. Ah non, l'arrière gauche, c'est bon. Moi, j'entends des zombies. Hein. Mais non. Y'avait un zombie. Oh, c'est qu'une égratignure. Putain, le bar avec des lits de con, ça donne envie quoi. Super. Médic. La chambre d'hôtel de l'amour quoi. Médic. Il arrive. Je me fais griffer au visage. Franchement, ça va rien changer. Mais arrête de bouger. Non, t'as pas compris le principe. Toi, tu bouges pas et moi, je te soigne. T'as vu comme je suis un espèce d'arsenal vivant? Ouais, bah tu seras un arsenal vivant mort si tu bouges trop. C'est trop de la balle. C'est tout pour ici? Je te mets un vrai bandage, hein, pas comme à Adam Ned. Ouais, bah oui, ça j'avais compris, oui. Voilà, ah. T'as un bandage, pas en tissu déchiré. C'est pour ça qu'à la base je voulais faire moi le médecin parce que je connais Slan. Oui, mais je les garde pour ceux qui ont une chance de survie, si tu veux. Ouais. Oui, bah c'est ce que je dis, t'es un enfoiré quoi. Toi, t'as eu son vieux. C'est pareil, c'est pareil. Déjà, toi, je t'ai désinfecté alors que bon, c'est très bien que voilà quoi. Ouais, bien sûr. Un lit de camp. Oh là là. Un autre lit de camp. Ouais, bah pour la peine, je vais aller laver mon pantalon. Voilà. Non, bah non, tu vas attraper la crève comme le signe. C'est pas grave. Si, un peu. Mon personnage a chaud, donc ça va sécher. Si tu veux. J'ai faim, putain, j'ai faim. Ah ouais, mais c'est toi qui veux pas qu'on rentre, hein. Mais oui, mais vous avez pris toute la bouffe, il y avait plein de bouffe, il y avait des cacahuètes, il y avait des trucs super et vous gardez tout pour vous. Moi je te dis, j'ai trop bien cuisiné, mais faut qu'on. Cacahuètes, fin à moins 8, chips, fin à moins 10. Voilà. Je peux te les déposer si tu veux, mais je te les dépose où? Je vais les manger à même le sol, hein, t'inquiète. Tiens, je te les mets dans la poubelle. Super, ça me fait plaisir. Je suis pas une crevure, je te mets une canette de bière avec. J'en ai plein ça. Ouais, bah tu prendras celle-là, celle qu'on t'offre. Putain, le mec. Merci beaucoup. Il est jamais content. Hein. Moi, on m'offre une canette de bière, je dis jamais non, quoi. Le problème, c'est que bon, je vais pas la boire pendant qu'on est en voiture. Tu la démarres ta bagnole ou pas, là? Bah, je suis au 10ème essai, non. Ah, putain. 10ème essai quand même, hein. Ah, c'est de pire en pire ton truc. Ouais, ça c'est clair. On a du vin blanc. Parfait. J'arrive pas à voir dans mon sac à dos comment je fais déjà. Ah, si, ça y est, je le vois. Okay. Essaye de monter là. Ouais, je suis monté. Ah bah voilà, y'a des maisons par là. Ouais, c'est des toutes petites maisons là. Oh putain, y'a du zombie aussi. Hein. Ouais, c'est les bagnoles, c'est des. Va pas sur l'herbe, Tu dégommes la bagnole là. Là sur le côté. Allez, laisse-moi gérer les pneus comme je gère les pneus. Par ici? Ouais, non, bah ça sert à rien de se traîner toute la moitié de la ville aux fesses. Surtout que t'as un. Stop, y'a un gros store à max là sur le côté. Bah on se gare là. Bah, pas et, Bon, je pars du principe qu'ils sont allés par là. Hein. Tout droit, tu peux pas nous rater, on sera garé sur le côté. On peut toujours vous rater. Vous on laisse le venir. Moi j'ai plus ma fourche en fait. Je descends dès que j'ai fini ma cigarette. Si c'est bon, on est arrêté. Je suis qu'à la dernière voiture moi monsieur. Jamais dehors. Alors ça il faut le passer lentement parce que moi je suis pas comme Slan. Ouais mais faut pas une masse pour péter des trucs ici? Ah si. Ça se démonte pas avec le... Attends. Laisse. Je peux la démonter. Je peux la casser. Si tu veux, mais bon. Ça me fait monter ma compétence alors. Ah bah, ça monte ta compétence. Au pire on attend qu'un zombie la démonte pour nous. Hein. Ouais mais un non. Un zombie là sur le côté. Coucou zombie. Voilà. Vas-y passe devant, je te suis. N'oublie pas que t'as ton marteau d'équipé hein. C'est vrai, merci de me le rappeler. Alors attention, dans les stores, vous allez dans les blocs, ici, vous allez trouver des zombies hein. Bah on entend des trucs en tout cas ouais. Allez. Je le sens bien là. Ah, ouais il est là, attention. Hop là. Oh il est maquillé comme toi. Enfin pas comme toi. Oh du fertilisant. Oh y'a un. Premier secours, recharge volume 1, cuisine, délivre aussi. Il y a un truc là qui donne l'électricité là, comment ça s'appelle? Il y a un générateur. Un générateur. Voilà, il y a un générateur. Oh les premiers secours volume 2, c'est bien. Ramasser le groupe électrogène, allez hop. Faut vraiment que je fasse la liste des bouquins.
plutôt que de tout prendre comme un débile. Il est fonctionnel en tout cas, il a pas de carburant mais il fonctionne. Ah, une bâche. Ça, c'est du fertilisant, ça. Si tu veux, Katox, dans le premier box, mais je peux pas le porter. Et là, il y a une canne à pêche. Mais pourquoi on l'emmène? Vous avez de la place dans le canne à pêche. Il y a de la place dans le camion pour ranger le groupe électrogène? Alors, bah, moi, je cherche plutôt des outils de piégeage. Écoute, pour l'instant, j'ai trouvé une canne à pêche et une nasse. Hein. Tu vas pas prendre. Merde, il y a un zombie. Putain. Attends, merde. Ouais, mais je suis dehors, hein. Je suis devant les camions. Ah ouais, j'arrive. Je l'ai posé par terre en attendant. Je suis tout lent, mais j'arrive. C'est bon. Oh, les nazes, quoi, putain. C'est clair. Il y a plein de trucs ici. Ouais. Râteau à main, paquet de graines, il y a plein de caisses ici. Encore une bâche. Vas-y, je te couvre. Vous avez laissé le camion tourner, non? Non, non, j'ai coupé le moteur. Bon. Si ça vous intéresse, il y a 4 tabourets de bar. Vérifie, mais non, le moteur est coupé, hein. Dans le premier. J'ai laissé les clés sur le contact au cas où, mais le moteur est coupé. Oh, mais il fait en poids le groupe à 40, je peux pas le mettre dans le coffre. C'est 72, je crois, bah vire 2-3 trucs, hein. Si c'est pour virer le. Pose-le par terre, on le mettra, sur nous. On va virer une poubelle, il y a une poubelle dans le coffre, quoi. Ouais, non, mais voilà, les poubelles, les flippers et tout, on peut se permettre de les sacrifier. Par contre, je peux pas l'enlever la poubelle. Tu peux regarder si tu peux l'enlever, toi? Ah, attends, regarde. Poubelle. Aide en bois, short débardeur. Plaque de métal. Elle est où? Bon, elle est plus dans le coffre déjà, donc je peux mettre le groupe électrogène. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? 66. Ah bah oui, parce que. Ouais. Bon, faut enlever Pourquoi le flipper. Tu peux pas me poser cette putain de poubelle par terre? Ok, le flipper est par terre. Moi, il veut pas me poser la poubelle par terre. Putain, j'en ai chié. Putain, je suis condamné à garder cette poubelle. Non. Je vais la placer. Tu peux la placer, ouais, voilà. Jusqu'à ta mort. C'est n'importe quoi, mais voilà. Magnifique. On a une poubelle. C'est bon. C'est tellement long de ranger mon sac. Ouais, un deuxième générateur. Parfait. Vous avez pas trouvé une masse, non? Le deuxième générateur, il faut se souvenir qu'il est là, faudra l'amener à une station-service. D'ailleurs, on pourrait très bien aller déposer le premier générateur à la station-service et revenir chercher le deuxième. Il y en a encore un là. Ah, c'est des mannequins, putain. Oui, ça fait peur. J'ai cru que c'était des zombies buggés. Ça fait peur quand on entre. Ils sont pleins dehors, les zombies. J'ai trouvé des cartons. Là, on n'a pas pu l'ouvrir celui-là. Des cartons, j'ai trouvé une réserve de javel. Oh, une bâche, ça peut servir ça? Ouais, j'en ai déjà pris deux. Et j'ai trouvé des livres aussi. On te fait bien gaffe parce qu'il y a plein de zonzons là. Ouais, mais c'est solide cette porte, non? Ouais, tu vas dire ça, elle va s'éclater. Non, mais c'est solide cette porte. Ah ouais. Ah, c'est trop lourd, je peux pas porter la botte de javel. Voilà, porte est cassée. Eh, hey, 3 javel. Ah putain! Vas-y, ça t'apprendra à toujours dire que ça va mal. Je crois que je suis pas équipé là, non, j'ai pas d'arme sur moi, voilà, oui, c'est mieux. Non, qui est pas mal. Mais je suis trop lourd, putain, j'ai trop de choses sur moi. C'est la merde. Pourquoi j'ai. Qu'est-ce que c'est que j'ai sur moi qui est trop lourd? Ah, je sens quoi? Oh, lui, il a une clé. C'est bon. Il a juste une clé qui s'appelle clé. Par contre, j'entends des zombies là, ils sont où? Ah bah, je crois qu'il les a trouvés, Katox. Allez, une longue veste en cuir. Oh. Il faut vraiment prendre toute la javel qui est là. Je vais aider. Oh là là, Katox il a du mal là. Mais j'ai plus de pelle en fait. Donc merde, je suis barbouillé. Oh merde. Ça va bien se passer? Oui. C'est bon, barbouillé ça veut rien dire. Hein. Ouais, ça, bien. Ça nous arrive souvent. Je suis encore à bout de nerfs, putain. Relou. T'inquiète. Encore des magazines. Non mais je vais lire des trucs. Je suis à bout de nerfs depuis 2 épisodes, moi. Donc. Tout ça pour un rhume en plus. T'aurais pas pris hypochondriaque, toi, le signe? Ah non. Non. T'es sûr? Sûr que non. Qui c'est qui est dans le bâtiment avec moi, là? Et qui a de la place sur lui? Alors.
personne n'a de place sur lui. On est tous en surcharge. Parfait, pour se battre, c'est top ça. Ouais, non, parce que je suis malade et ça me dit que j'ai des capacités de guérison réduites, quoi. Merci. Super. Ah, je prends du liquide vaisselle, trop la classe. Bah, je ramène plein de javel, vous allez être contents. Et est-ce que je peux les ouvrir ces box là du coup? Non. Hein. Sans la masse, je pense pas. Non. Bon. Du coup, je vais prendre le nécessaire pour faire de la pêche, c'était où ça quand même. Voilà. Moi, on a bien un peu. J'ai un balai. Est-ce que on en a des balais à la maison ou pas? Je crois qu'on en a encore. Balai serpillère, on doit avoir. Oh, nickel, je peux enfiler ça par-dessus ma veste et mon sweat à capuche. Nickel. J'ai un petit tablier de protection. Bon, bah je meurs de charge lourde, donc du coup je vais revenir. Essaye de pas trop mourir non plus. Bah forcément ça fait mal, hein. Y'a quoi dans ce truc? Je sais pas, je viens d'arriver. Un stylo bleu. La seule chose que j'ai trouvé, c'est un stylo bleu. C'est intéressant. Ah, comment je vais passer ça, moi? Drap, dentifrice, non, savon, oui, bandage. Tiens, c'est pas mal, ça. Hop. Et boire. Alors, groupe expresso, réfrigérateur... Bon, bah, ça va, il y a de la place pour mettre des trucs. Est-ce que je prends encore un générateur ou pas? J'ai trop d'icônes, j'ai beaucoup trop d'icônes. On n'a pas la place. Même sur une banquette arrière. On n'a pas de banquette arrière. Je crois que vous avez planté les banquettes arrière c'est, et nous c'est on 20, a pas, ouais. C'est 20 une banquette normalement, je crois, non? Attends, on va voir. Bah, on va peut-être rentrer doucement, non? On va rentrer, ouais. Mais par contre, je suis en train de me décharger là pour après, pouvoir survivre. Je peux la charger sur moi et on la drop à la pompe à essence, hein. Ouais. Mets-toi dans le bon truc, dès que je sors, je charge, on passe à la pompe à essence, je le dépose et puis on se casse. Ouais, on peut faire ça, ouais, la pompe à essence, au moins le poser par terre. Non, pareil, il faut la masse hein, pour démonter le grillage, je pense. Oui, la masse c'est pour démonter tout ce qui n'est pas... qui n'est pas démontable. Meuble. Ouais, meuble, ok. On rentre le signe. Ouais, on rentre. Hein. Oui, vous pouvez partir devant. Hein. La hachette fait le même taf. De toute façon, on va s'arrêter là. Oui, t'as raison. N'hésitez pas à aller voir la vue du cygne. Dites-nous ce que vous en pensez. Mettez des pouces et des commentaires. Et heureusement, personne n'est mort. A plus tout le monde. Personne n'est mort. Salut tout le monde. Plus. Bisous.